I'm sure we'll go like birds to the shore. Magnifique journée, effectivement. Première navigation du bateau, ça s'est super bien passé. Conditions météo idéales, eau lisse, un petit peu de vent, équipage heureux, content. On a fait toute une série de manœuvres, on a passé les voiles en revue. Donc vraiment, on est heureux enfin d'être à l'eau et enfin de toucher du doigt ce pour quoi on travaille depuis des mois maintenant. On avait des interrogations parce qu'effectivement, on a des choses assez nouvelles. Un nouveau moteur, des nouveaux hydrogénérateurs, des nouveaux alternateurs. Donc ça, il fallait qu'on regarde. Il y a des nouvelles voiles, donc il fallait aussi qu'on voit comment elles tombent, si les creux sont bien placés, si la géométrie générale est bonne. On a des nouveaux systèmes dans le mât qu'il fallait qu'on teste. Donc tous ces systèmes-là, petit à petit, on les a testés dans la journée. On avait des spécialistes avec nous pour regarder comment les choses évoluaient. On a eu les petites pannes habituelles. On a la mise au point habituelle à faire ce genre de choses. Mais je dirais que étonnamment, pour toute une série de choses prototypes toutes neuves comme celle-là et très pointues techniquement, ça s'est très bien passé. La suite, en fait, c'est d'abord 1000 milles en mer, aller-retour, on va aller à Gibraltar, en Méditerranée. Ça nous fait 2 fois 1000 milles, donc ça va nous faire une dizaine de jours de navigation. On va se remettre avec Michel dans le rythme de la course au large, on va se remettre dans le rythme d'écart. On va observer comment le bateau se comporte sur de la longue distance avec la gestion d'énergie, les voiles, l'usure et ainsi de suite. C'est donc, on va dire, on va passer en mode océanique, la mise au point océanique. Journée super, on a enfin remis les voiles sur le bateau, navigué avec un petit peu d'air et toute l'équipe, on a tous bossé très dur cet hiver sur ce bateau et puis ça fait plaisir aujourd'hui de pouvoir valider un petit peu tous les travaux qui ont été faits et de voir que le bateau marche super bien en fait, on a des bonnes sensations et les polaires vont bien, donc voilà, tout ça va dans le bon sens et on est très contents. Il faut valider tous les systèmes qui ont été installés l'hiver et en même temps, comme ça, en naviguant, on voit plein de petits détails à peaufiner. Donc le but, c'est de faire la liste la plus complète possible pour que quand on va partir, larguer les amarres pour Gibraltar, le bateau soit vraiment fin prêt. Et c'est vrai qu'il y a une multitude de petits détails à peaufiner. Nous, on s'est occupé de beaucoup de gros travaux cet hiver. Maintenant, c'est un petit peu les détails. On a quand même beaucoup travaillé à l'allègement, donc il est beaucoup plus performant et on a vu ça sur les polaires, sur l'ordinateur aujourd'hui, ça va vite.
ça va vite. Donc maintenant, on attend de valider ça quand on tirera les bords avec d'autres 60 pieds open. Mais pour l'instant, les sensations sont bonnes, effectivement. On a commencé à retrouver des sensations les deux, on a commencé à reprendre un peu nos automatismes de manœuvre. On a fait quelques empannages sous spi, on a vu qu'on était toujours aussi bien coordonnés. On a vu quand même que ça faisait une année qu'on n'avait pas navigué sur le bateau. Il faut qu'on range les écoutes, il faut qu'on retrouve un petit peu nos marques, mais finalement ça revient vite, c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas. On attend avec impatience ce convoyage de 1000 milles parce que on va pouvoir prendre possession vraiment du bateau et comme disait Dominique tout à l'heure, se mettre en mode océanique. Parce que là, pour l'instant, effectivement, les navigations qu'on fait, c'est uniquement des navigations côtières. Donc on rentre le soir un peu frustré de rentrer et de mettre le bateau au ponton. Alors on a hâte de passer la première nuit en mer et puis d'en enchaîner plein d'autres, effectivement. Ah, c'était une belle journée, c'est un beau symbole en fait, cette première journée de navigation par un beau soleil, une belle mer avec une jolie équipe, une bonne ambiance à bord. Ça nous récompense bien en fait de ces mois de travail qui ont quand même été assez ardus, qu'on a passé là à remettre le bateau en état et à le rendre performant. Donc aujourd'hui c'était surtout une très très belle récompense pour des mois et des mois de travail.